Bonjour à toutes et à tous. L'anticyclone se rapproche de notre région. Après le ciel nuageux de ce dimanche, le soleil revient en force en début de semaine prochaine et il faudra en profiter. Une nouvelle dépression s'enchaîne à partir de mercredi jusqu'au week-end. Nous n'en sommes pas là. En attendant, intéressons-nous au dimanche 6 mars. Le ciel conserve son lot de nuages en matinée. Sous ce vent de nord-est, les températures baissent, mais pas de gelée à l'horizon. On compte 4 degrés minimum sur le sud-est du département, 5 plus au nord, 6 degrés au Sable d'Olonne et 8 maximum sur l'Île-Dieu. Dans l'après-midi, le ciel est plus ensoleillé, même si les nuages résistent toujours. Concernant le mercure, il reste stable avec une moyenne de 9 à 10 degrés. Vous le voyez sur l'ensemble de la Vendée. Allez, on passe aux prévisions des 3 prochains jours. Lundi, arrivée d'un nouveau front froid. L'hiver n'a pas dit son dernier mot. Malgré tout, le temps s'annonce ensoleillé. Température au lever du jour, moins 2 degrés et maximum 9. Mardi, plein soleil pour tout le monde. Le mercure y compris entre moins 1 et 7 degrés le matin et puis 10 à 11 degrés l'après-midi. Enfin, mercredi, c'est une journée de transition avec le maintien d'un temps ensoleillé en matinée, suivi de l'arrivée des nuages et de la pluie en cours de journée. Concernant les températures, comptez moins 1 à 10 degrés de moyenne. Retour au dimanche 6 mars. Le soleil se lève à 7h35 et se couche de plus en plus tard, c'est-à-dire 18h58. Très belle fête à toutes les Colettes. Et puis dernier point, les coefficients de marée sont de 92 et 87. Bon dimanche sur TV Vendée. Rendez-vous lundi pour une nouvelle semaine. À très vite et prenez soin de vous.